Mes chers amis, je vous ai réunis cette nuit au bord de la mer pour vous faire part d'un plan très important que j'ai élaboré. Vous savez que la construction du barrage de Koussou est un projet très grandiose pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Sa réalisation tient à cœur à tous les Ivoiriens, dont nous, monsieur. Les travaux ont déjà commencé et actuellement plus de 2000 employés travaillent sur le chantier. Cela fait 100 millions de francs qui sont payés chaque mois en salaire. Vous vous rendez compte? 100 millions de francs. Ce n'est pas mal. J'ai décidé que ce mois-ci, vous allez nous appartenir. Mais comment faire? Mais c'est simple, Zagou. Avant la paye, l'argent part de Boaké dans une Peugeot 404 blanche. Nous pouvons l'attendre sur la route, provoquer un accident et nous emparer de cet argent. Non, ta proposition est irréalisable car la voiture est toujours escortée. Qu'est-ce que c'est que deux gendarmes faciles à abattre? Ils ne sont pas que deux, mais quatre. Deux à moto et deux dans la voiture. Dans ces conditions, le simulacre d'accident me paraît difficile. Ah oui, c'est exact. En tout cas, il nous faut cet argent ce mois-ci. Nous ne devons pas sortir d'ici avant d'avoir trouvé une solution. J'ai une idée. Pourquoi ne pas attendre que l'argent arrive à Koussou? Que les gendarmes repartent d'abord, avant de nous l'approprier. Un hold-up? Ah, ce serait sensationnel. Pour nous, comme pour Fraternité Matin qui pourrait titrer Hold-up à Koussou. Sensationnel, à condition que nous soyons hors de danger. Écoute-toi, ça suffit. Tout le monde sait combien tu es peureux. Ce n'est pas de la peur, mais plutôt de la prudence. Dans la vie, il faut toujours savoir où l'on met ses pieds. Écoute, tu nous emmerdes. On se demande ce que tu fous parmi nous. Toujours en train de voir le danger partout, même là où il n'est pas. Incapable de te décider spontanément. Si tu ne peux plus travailler avec nous, tu peux t'en aller, personne ne te retient. Trêve de discussion. Ce n'est ni le lieu ni l'heure de se bagarrer. C'est demain et à Koussou. Car nous sommes le premier du mois et l'argent arrive toujours le 2 et la paye a lieu le 3. L'idée est alléchante. Seulement, il n'y a qu'une seule voie qui relie Koussou au reste du monde. Nous n'avons donc que ce seul tunnel pour fuir. Nous pourrons nous procurer une puissante voiture et prendre les devants, me direz-vous. Seulement, il y a le téléphone. Il suffira que la direction prévienne les gendarmes de Yamoussoukro pour que ceux-ci viennent nous cueillir à la sortie de notre tunnel. Rassure-toi, Konakam. J'ai pensé à ce problème de communication. Nous couperons au préalable tous les fils téléphoniques. Ce sera d'ailleurs l'une de tes missions. La télévision a annoncé la visite d'une personnalité. Il aura un grand remue-ménage. Et les gens occupés à manger, à boire et à danser feront moins attention que d'habitude. Toi, Fatogo, tu te débrouilleras pour crever discrètement deux pneus de chaque voiture légère, sauf celles qui accompagneront le PDG. Quand tu auras fini, tu viendras nous attendre à la sortie du chantier, sur l'un des bulldozers qui sont toujours garés sous le grand arbre. À notre passage, tu abattras ces derniers sur la route afin d'empêcher toute poursuite en gros véhicule. Quant à toi, Danigo, tu t'arrangeras pour garer moteur à marche près du bureau où sera déposé l'argent et surtout de manière à pouvoir filer sans encombre. À ce moment-là, nous ferons irruption pour prendre l'argent. En cas de résistance, on tue. C'est d'accord. Puisque tout le monde est d'accord, pour être sûr que le secret sera bien gardé et qu'il n'y aura pas de fuite, nous allons prendre à témoin Mami Ouata, déesse de la mer dont voici la reproduction. Nous allons donc sortir et face à la mer, nous allons jurer tous. Je jure devant toi, Mami Ouata, déesse de la mer et de la nuit, protectrice des navigateurs, auteur des tempêtes maritimes et des naufrages, de conserver le secret de notre projet et qu'après même sa réalisation, de ne jamais en parler, quels que soient les motifs. Nous le jurons.
Thank you.
Laissez partir. Patron, voilà. J'étais parti au cabinet. Quand j'ai fini juste, j'ai entendu deux coups de fusil. Pao, pao. J'ai mis vite mon pantalon et je suis sorti. Alors j'ai vu deux hommes courir avec une caisse et monter dans une voiture Mercedes noire qui a pris la route de Amsoklo. Mon Dieu, ça doit être la caisse, les 100 millions destinés à la paye. Tu n'as pas pris le numéro? Non, patron, je ne connais pas l'I. Dommage. Bon, il ne faut pas perdre de temps. Je vais téléphoner à la gendarmerie de Yamoussoukro. Peut-être elle pourra les arrêter à la sortie de la piste. Ensuite, je préviendrai la direction Abidjan. Et le gardien, où est-il? Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Je vais le foutre à la porte. Que fout-il encore celui-là? Il doit être certainement sous quelque part. Non, patron, il est mort. Quoi? Patron, il l'a tué avant de prendre la caisse. Pas possible. Qu'est-ce qui se passe, M. Kofi? D'emblée, un tamoblé va prévenir la gendarmerie. Quatre hommes dans une Mercedes ont volé l'argent de la paye. Monsieur, je n'ai pas d'essence. Oh! Oh, tiens, dépêche-toi. Donne le courrier. Tais-toi, rigolo. Il y a longtemps que nous les avons vus. Ils font simplement leur travail journalier. Vous y croyez? Vous y croyez, vous autres? Ouais. Pas moi. C'est pas sûr ce que tu dis. C'est pas sûr. D'accord. Écoutez, les gars. Je vous assure qu'ils sont prévenus. Qu'ils nous attendent. Qu'ils vont nous arrêter. Qu'ils ont déjà les menottes. Et regardez-les. Ils sont prêts. Si tu ne restes pas tranquille, je vais te brûler la cervelle. Bon. C'est compris. C'est compris. C'est fini, oui? Oui. C'est fini. Oui, c'est fini. Vos papiers, s'il vous plaît. Non, pas tous. Le chauffeur seulement. Voilà, chef. Merci. La vignette. L'assurance. Et le bon. La carte grise. Le permis de conduire. Oui, très bien. Merci, chef. Alors, vous venez de la réception? Oui, oui. Oui, chef. Ça a bien passé là-bas?
Oui, ça va. Vous avez dû bien boire, hein? Eh oui, on a plutôt bien mangé. Eh ben, vous avez de la chance, vous. Quant à nous, nous avons quitté la brigade depuis 8 heures, quand. Et sous la pluie en plus. Il est presque 16 heures. Oh là là, cette vie de gendarme. Eh oui, le devoir avant tout. Vous avez du mérite au moins. Allez, vous pouvez partir, oh, Vénard. Merci, chef. Arrêtez, s'il vous plaît. Il semble que votre bagnole fume. Ouvrez le capot, voir. Évidemment. Il vous manque peu d'eau. Secou. Donne le bidon d'eau. Compris, chef. Eh oui, il faut tout prévoir. Mais tu te trompes de bidon, c'est celui du pinot que tu m'as donné là. Oh là là, avec les jeunes gendarmes, hein. Tiens, enfin, c'est le bon. Voilà. Vous êtes dépanné. Merci. À ta monture. Dis que si, rien. Y a qui? Comme c'est la première fois que je te prends, je te pardonne pour aujourd'hui. Mais tâche de te mettre en règle vis-à-vis de la législation en vigueur. Sinon, la prochaine fois, je serai sans pitié. Tu attends? Sans pitié. Oui, chef. Merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse. Toi, ta femme, tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes aïeux, ton oncle. Oui, ça va. J'ai eu peur, dis donc. Je nous croyais tous cuits. D'ailleurs, je n'étais pas le seul. Toi, Fatego, je te voyais, tu tremblais de tous tes membres. Ça suffit, toi, hein. Content, t'as dit, mais pas moi. Bien sûr, mais tout le monde sait que c'est la peur qui te coulait, le mec. Tu as dû même faire du vide dans ta culotte. Ça va, toi? Moi, au moins, j'avais le courage de parler, d'animer un peu une situation qui devenait par trop monotone et tendue. Tu
parle d'animation. Mon cher Conakan, pour une fois, tu n'es pas le seul à avoir eu peur. Je tremblais aussi sur mon volant et je voyais déjà le moment où j'allais écraser ces gendarmes. Il suffisait d'un faux geste de leur part et c'en était fait d'eux. Ce qui les a surtout sauvés, c'est qu'ils n'étaient pas côte à côte. Car je m'imaginais qu'ils avaient été alertés et venaient nous arrêter. Je vous ai dit à plusieurs reprises de jamais tuer quelqu'un sans mon autorisation. Tu aurais commis là une erreur monumentale. Oh, tu sais, ils nous embêtent. On ne peut même plus travailler en paix à cause d'eux. Alors qu'un proverbe dit bien qu'il n'y a pas de saut métier. Oui, mais c'est que le nôtre est interdit par la loi. Et je crains qu'un de ces jours, nous passions prendre. Tu nous embêtes avec tes craintes. Voilà une voiture qui arrive devant nous. Ça peut être des gendarmes. Tu nous emmerdes, toi. Penses-tu qu'à cause de toi, seul plus personne ne doit prendre cette route? Mais vous voyez bien qu'il garde. Voyons, Conakan. Il garde pour nous laisser passer. Écoute, Zagou. C'est la dernière fois que cet énergumène fait partie de leur banc. La prochaine fois, on l'écarte systématiquement. Je ne peux plus travailler avec lui. Il est trop boire. Il a peur des gendarmes. Il les voit partout. Et les agoutis, ne détruit-il pas vos cultures? Si, chef. Alors, comment faites-vous pour vous en débarrasser? Ils ne sortent qu'au crépuscule. Alors la journée, on leur tend des pièges pour la nuit. Et les lapins, ne rongent-ils pas vos patates et votre manioc? Si. Mais on leur tend aussi des pièges. Seulement comme ils sont malins, on n'en prend presque jamais. Et les torches pour le chasser, qu'est-ce que vous en faites? Ah, chef. Nous n'en avons pas. Vous-même, vous savez que la chasse de nuit avec engin prohibé est interdite. En tant que citoyen honorable, nous ne pouvons pas enfreindre les lois. Mon œil, vieux malin, va. Continuez votre chemin. Ces paysans, ils sont tous les mêmes dans tout le pays de vieux malin. Au revoir, chef, et bonne chance. Oui, merci. Hé, au fait. Vous parlez très bien français, vous. Pourrait-on savoir ce que vous avez fait comme étude? Bien sûr. Je suis un instituteur en congé. Alors j'accompagne chaque jour mes parents au champ. Vous-même, vous savez que l'aide de la campagne est très vivifiant. En effet. Eh bien, c'est très bien. Bonne route alors, monsieur. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Chef, je viens porter plainte. Contre qui? Contre ma femme et un petit voyou. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, voilà. Écoutez-moi bien. J'étais avec ma femme. On s'entendait très bien. Il n'y avait pas palabre entre nous. Elle m'aimait bien, comme moi aussi je l'aimais beaucoup. Et puis voilà. Il y a un petit canaille, un petit vaurien, un petit crapule, un petit bandit qui est arrivé. Il dit qu'il vient d'Abidjan, grande ville quoi. Et lui, il est grand type, il est riche, il a l'argent, il est grand chauffeur, il s'habille en yéyé. Gros lunettes, on dirait singe. Pantalon, bord large, on dirait pour femme toutou. Chaussures, talons, longs, on dirait pour jeune fille. Une chemise avec beaucoup de fleurs. Quand ma femme a vu ça, elle est troublée complètement. Elle ne me considère plus. Plus alors. Avant, quand je l'appelle, elle court. Maintenant, elle ne me répond même plus. Je fais tout pour elle. Il n'y a rien à faire. Hier soir, elle m'a dit qu'elle allait voir sa grand-mère malade au village de Kwasikro. J'ai voulu l'accompagner. Elle a refusé catégoriquement. Elle n'a même pas voulu qu'une de ses belles-sœurs l'accompagne, comme on fait chez nous, quoi. Alors, l'ai laissée partir seule. Elle devait revenir le soir. Toute la nuit, j'ai attendu. 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 Jusqu'à le matin, elle n'est pas revenue. Je suis allé moi-même au village de sa grand-mère. Elle n'était pas. Sa grand-mère n'était même pas malade. Elle se porte très bien. Elle était même étonnée de me voir. Au retour, j'ai demandé des renseignements. Dans un village, on m'a dit que le petit bandit là est venu hier après-midi. Avec une voiture et que ma femme est montée avec lui. Tu as vu, le petit voyou là, il a détourné ma femme complètement. Ma jolie femme à Kissi là. Et bon Dieu. Alors, je suis venu vous voir.
vous allez attraper le petit bandit là pour le mettre en prison. Comme ça, il laissera ma femme en paix. Il saura que moi, je ne suis pas un couillon. Quand vous allez l'envoyer chez moi, elle verra que moi, je suis quelqu'un, moi. Ancien militaire, j'ai fait la guerre 39-45. J'ai fait Dakar, j'ai fait Marseille, j'ai fait Blodo, j'ai fait Tonkin, j'ai fait Madame Gaspard. Et puis même, j'ai défilé sur les champs épicés à Paris. Ouais, d'accord, on le sait. Et après? Après, quand le petit bandit sera fatigué dans sa prison, vous n'avez qu'à le laisser partir. Car moi, je ne veux pas lui faire du mal. Mais il faut lui dire de rester à Abidjan, de ne plus mettre son pied ici, de ne pas envoyer commission à ma femme. Sinon, je vais l'attraper encore pour le mettre en prison. Chef, voilà, pour moi, c'est fini. Mais, où est mon chien? Vous n'avez pas eu mon chien, vous? Bon, laisse-moi ce chien et donne-nous ton identité et l'adresse du ravisseur si tu la connais, évidemment. C'est-à-dire? C'est-à-dire ton nom? Kwame Kwasi. Prénom. Quel prénom encore? J'ai dit Kwame, plus loin Kwasi. Ah oui, date de naissance. Ah, ça, chef, connais pas de... Bon. Ton âge alors? Connais pas non plus. Eh bien. Bon, celui que t'avais donné dans l'armée. Mais je n'ai pas fait l'armée. Dis donc, tu te fous de lui, non? Tu nous avais bien dit tout à l'heure que tu étais ancien militaire. Et maintenant, tu ne l'es plus. Voyons. Oui, mais c'est pas moi-même qui ai fait le service militaire. C'est mon grand frère. Et comme il est mort, que j'ai pris toutes ses affaires, plus ses deux femmes, donc je suis ancien militaire. Eh bien, ça alors, quelle conception! C'est comme ça chez nous deux. Bon, ça va. Nom et prénom de ton père. Il est mort. Ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien? Moi, mon père est mort. Et toi, tu dis que ça ne fait rien. En tout cas, moi, ça me fait quelque chose, hein. Donne son nom quand même. Kofi Kwame. Ta mère. Elle est morte aussi. Son nom. Ngoran Akisi. Profession. De qui? De toi, mon vieux. Cultivateur. Marié avec combien de femmes? 4 femmes. La première est morte. La plus jeune est en fuite. As-tu déjà été condamné? Où? Pourquoi? À combien de temps? Et par quel tribunal? Ah, pas condamné par tribunal, mais condamné au village par la coutume, quand j'étais encore jeune. Et qu'est-ce qu'on t'avait fait? On m'avait pris un mouton blanc, un coq blanc, 2 couleurs, une rouge, l'autre blanche. Et pourquoi? Ah, ça, chef, on ne peut pas dire ça, quoi. Mais pourquoi? Parce que c'est honteux, quoi. Ça ne fait rien, dis-le quand même. Si tu ne dis rien, nous ne pourrons pas nous occuper de ton affaire. Et ta jolie femme restera avec le jeune voyou. Ah ça non! Dis-nous donc pourquoi on t'avait condamné à payer tout cela. Eh bien voilà. J'étais jeune et beau garçon aussi. Je ne comprenais pas grand-chose à la vie. Ce qui fait que j'avais pris la jeune femme d'un vieux. C'est donc la monnaie de ta pièce qu'on te rend maintenant? Ah non! En tout cas, pour ça seulement, je ne veux pas de cet argent-là. Je ne veux ni de mouton, ni de poulet, ni de cola. Il faut l'arrêter. Bien. Son adresse? Son adresse? Oui, là où il travaille. Ah oui. Il paraît qu'il est chauffeur au ministère des Forces armées, du service civique au... Je ne me rappelle plus lequel. Mais c'est le même ministère, mon pauvre vieux. Ah bon? C'est là-bas alors? Vraiment, si c'est là-bas, ils sont tous des bandits, des crapules, des ouré-ouré. Quoi? Oui, oui, ils sont tous des bandits, des crapules. Eh bien, bonne opinion de nous. Nous sommes donc aussi des crapules et des bandits, puisque c'est notre ministère. Je suis mort, je suis mort. Ça alors là, chef, pardon, je n'ai pas dit ça. Vous êtes tous bien. Vous, les premiers, sauf le petit bandit là. Oui, oui. C'est le premier chef du corps qui sert toujours de point de repère. Pardon, chef. Pardon. Chef, pardon. Bon, ça va. Lève-toi. Tu sais signer au moins? Non, chef. Je connais pas écrire. Alors, donne ta main gauche. L'index. Pour qu'on prenne ton empreinte digitale.
Voilà, c'est fini. Tu peux partir. On va s'occuper de ton affaire. Ne t'inquiète pas. D'accord, chef. Mais je veux ma femme chez moi et le petit bandit en prison. Tu as compris. Au revoir. Au revoir, chef. Et merci beaucoup. Ouais. Mais où, monsieur? Albert, d'où viens-tu? On dirait que tu as mangé de la viande. Oh, ma chérie Rita, je t'avais perdu. Où tu étais? Ah, approche, ma chérie, approche. Si tu l'as conduit, porte des clochettes. Si tu l'as véhicule avait-il? L'ouvrier qui tenait compagnie au gardien abattu affirme que c'était une Mercedes noire. Numéro du véhicule? Inconnu, car ouvrier illettré. Direction prise? L'unique voie de communication. Quelles ont été les mesures arrêtées? Mon adjoint n'ayant pu poursuivre les voleurs, le bagmestre a été dépêché à Yann Secoua Mobilette pour prévenir la gendarmerie. En attendant l'arrivée de celle-ci, j'ai interdit l'accès du lieu du crime. J'ai fait commander le cercueil et je faisais vérifier un peu partout si d'autres déprédations n'avaient pas été commises par les malfaiteurs lorsque l'heure de la vacation est arrivée. Bon, je vais prévenir le commandement de la gendarmerie, la direction de la sûreté nationale et notre ministre de tutelle. Pendant ce temps, maintenez l'écoute permanente. Ne vous éloignez pas jusqu'à nouvel ordre. Il se peut que j'ai des instructions à vous donner ou des précisions à vous demander. Allô? Bonjour, monsieur. Passez-moi le commandant de la gendarmerie, s'il vous plaît. Il n'est pas là? Où peut-on le toucher, cet urgent? Il est en mission en dehors du pays. Oh là là! Qu'est-ce qui le remplace pendant son absence? Son adjoint? Passez-le-moi donc. De la part du directeur général des travaux du COSU. Bonjour, mon colonel. Oh non, ça ne va pas justement, mon colonel, c'est ce qui m'amène d'ailleurs. La direction exécutive des travaux de COSU vient de nous annoncer une très mauvaise nouvelle.
Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. N'y a-t-il pas d'hommes dans ce village, non? Si, monsieur. Où sont-ils donc? Ils sont tous au champ à la récolte du café. Comment? Vous ne les aidez pas? Bien sûr que si. Et que faites-vous ici alors? Nous étions avec eux, mais nous les avons laissés sur place et nous sommes venus plus tôt afin de piler la banane pour le repas de ce soir. Ils nous rejoindront à la tombée de la nuit et devons trouver la table prête. Et le champ de village, où est-il? Lui aussi, il est dans sa plantation. Il ne rentrera que le soir. Bon, c'est très bien tout ça. À son retour, vous lui remettrez ces deux pièces. Une convocation au nom de Kwadio Kwasi. C'est pourquoi? Secret professionnel, madame. Cherchez ailleurs, hein, il n'y a pas de Kwadio Kwasi chez nous. Vous en êtes sûr? Merci, monsieur. Dommage. C'était pour aller toucher un mandat que lui envoie son fils d'Abidjan. Comment s'appelle-t-il cet enfant? Kwame Robert. Ah. C'est vous qui nous avez induit en erreur. Ici, il n'est pas connu sous ce nom, mais sous celui de Kwasi Blé. C'est pourquoi nous ne l'avons pas reconnu tout à l'heure. Tant mieux. La deuxième pièce est destinée au chef de village lui-même. C'est une carte d'invitation que nous a confiée le sous-préfet. C'est pour le défilé du 7 août. D'accord, on la leur remettra. Dans ce cas, signez ici, madame. Ah, moi, je ne sais pas écrire, hein? Ça ne fait rien, signez quand même. Très bien, madame. Maintenant, nous allons faire un peu de police de salubrité publique. C'est quoi ça encore? C'est-à-dire, nous allons voir si votre village est propre. Au cas où nous découvrirons des cours sales, leurs propriétaires seront sanctionnés. Comment? Pour une somme coup, ça, vous allez mettre des gens en prison. Ça alors? Non, mademoiselle. C'est une simple contravention qui se sorte par le paiement d'une amende forfaitaire. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Bon. Ce n'est pas tout. À ce parler comme ça, nous allons visiter maintenant votre bled. Thank you.
et aller à Kossou afin de procéder aux constatations et à l'enquête sur place. D'ailleurs, vous y verrez le préfet, le point de Légion et M. le procureur de la République. Confisquez évidemment toutes les pièces à conviction et rendez-moi compte des moindres changements. Bien, mon capitaine. Ah ah! Capitaine Cerise! Tiens, tiens, on va du verre de pomme par ici. Alors, madame, est-ce qu'il est bon ce bangui? Vraiment, monsieur, venez vous voir. Elle a raison. Il est très bon son bangui. Goûte un peu voir, tu m'en donneras des nouvelles. Non, chef, je ne bois jamais d'alcool. Comment? Et pourquoi? Tu es musulman? Je connais quelques marabouts cognac. Non, ce n'est pas pour une question religieuse. Je n'aime pas tout simplement l'alcool. Il n'y a pas d'autre raison. Eh bien, mon petit, tu as vraiment tort. Rappelle-toi une chose. Le service doit toujours se faire avec un cœur gai et léger. Et pour cela, il n'y a rien de tel qu'un bon verre de vin de palme. Tu es encore jeune. Quand j'avais ton âge, je faisais la même chose. Pas d'alcool, pas de cigarettes, et encore mieux, pas de femmes. Depuis, j'ai changé d'avis. Et crois-moi bien, c'est meilleur. De toute façon, je sais que tôt ou tard, tu finiras par faire comme moi. Comment? Monsieur, lui aussi, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne contacte pas femme. C'est comme ça. Ah, oh, nous, on est là. Oh. Bon, madame, comment écoute la consommation? 10 francs seulement. Hein? Toi, grand, tu comme ça, tu attends monnaie. Tu ne peux pas me donner les restes. Bon, ça va. Donne-moi un autre gobelet et garde le reste de la monnaie. Ah ah, ça, c'est bon, gendarme. Bon, ce village est assez propre. Inutile donc de perdre son temps ici. On continue. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Bon voyage. Décidément, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Attention, Danigo. Arrête-toi sur le bas-côté. Nous allons changer de voiture. Ah, il y a une voiture qui arrive. Rejoins ta place. Bonjour, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, pas grand-chose, quelques petits ennuis. Quelle sorte d'ennuis? Ceci. Ligotez-le, jetez-le dans le fossé. Faites vite!
Vraiment, tu es un chef. Et c'est réellement un plaisir de travailler avec toi. Tu ne t'arrives jamais d'idée. Tu as solution à tout. Même s'ils ont pu relever le signal bas de leur véhicule, il faudra qu'ils le retrouvent d'abord. Et quand ils l'auront trouvé, nous serons loin. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Mon pauvre ami, dans la vie, il ne faut jamais chanter trop vite victoire. Surtout dans des situations comme la nôtre, on a parfois des surprises désagréables. Et au dernier moment, quand on s'y attend le moins. Ça y est, mon réalisateur fait surface. Heureusement que c'est pour la dernière fois que nous œuvrons ensemble. Tu peux dire tout ce qui te passe par la tête aujourd'hui. Étant donné que la prochaine fois... Attends d'être en lieu sûr avec le budget d'aujourd'hui, avant de parler de la prochaine expédition sans moi. Comment? Avec le changement de véhicule, le propriétaire dans le fossé, tu doutes encore de la réussite de notre projet? Mon cher ami, avec ces maudits gendarmes, on ne sait jamais. Il faut toujours s'attendre à tout. Alors là, je ne sais plus quoi faire pour te rassurer. Même si on faisait disparaître tous les policiers, tous les douaniers, tous les gendarmes de la surface de la Terre, tu ne serais jamais tranquille. Il faudrait mieux pour toi de changer de métier. Sinon, avec une telle peur, tu risques de vieillir avant l'âge. Ce qui ne serait pas un mal en soi. Ce qui peut être grave, c'est de nous trahir par la maladresse due à la poardise et de nous perdre tous de la sorte. Chose que mon ami, je n'accepte pas tellement. Nous avons blessé. Où est-il le transporter à l'hôpital de Boisquet? Bien sûr. Tout de suite. Où est-il? Ton œuvre sans doute. Dieu seul est mon témoin. Eh bien, mon ami, aujourd'hui, tu as deux témoins. Dieu et le gendarme. Et nous allons voir. Pardon, chef. Je suis mort aujourd'hui. Tu es mon papa. Tu es tout pour moi. Mais quoi? Il faut me pardonner. Fais à cause de Dieu. Je ne vois pas. Pardon, chef. Lève-toi et donne-moi tes pièces. Papa, dis, donne-moi la pièce là. Venez, voilà chef. Voilà chef. Quand on voit 1, 2, 3, 4, 5. Mais mon ami, vous êtes dans le surcharge des 5 passagers? Eh chef, ça, c'est un bébé. Et l'autre, c'est un petit qui ne paye pas sa place. Mais ce sont des êtres humains. En cas d'accident, vous mettez leur vie en danger. Et s'ils meurent, il y a homicide. Tu es donc en surcharge de 5 passagers. Voilà la pièce. La carte grise. Bien, ça va. L'assurance, elle expire aujourd'hui à minuit. Oui, patron. Tu m'as fait comme ça, c'est pour ça que je m'en vais à Boisquet comme ça pour la renouveler. La vignette, ça va. La vie technique, elle n'est pas faite. Depuis une semaine, elle aurait dû l'être. Oui, patron, vous avez raison.
Je m'en vais embarquer comme ça pour la visite aussi. Oui, bien sûr. Écoute, il y a 23 ans que je suis gendarme. Je connais suffisamment la chanson des chauffeurs. Ils ne sont jamais en règle, mais d'après eux, ils sont toujours sur le point de le faire. Enfin, étant donné que tu es en surcharge et que cette infraction comporte une arrestation, il ne te reste plus qu'à abandonner ton véhicule et direction le mien. Comment je vais faire avec ce passager? Commence par descendre 5 et l'infraction cessera. Mais, chef, qui je vais faire descendre et qui je vais laisser? Ça, je veux rien savoir. Si tu ne descends rien, je t'embarque dans ma jupe. Bon. Quelques-uns ne vont pas descendre. Quelques-uns ne vont pas descendre. Adore, ça va aller. Allez, Digui. Bon, allez, Johanna. Chef, bon, Dourou Digui là. Sokou, arrête moi sur 1000 kilos. Bon, maintenant que certains sont descendus, je te retire tes pièces et te remets un récépissé de retrait. Présente-toi à la brigade de Yamoussoukro demain matin à 8h. Vous autres, allez monter dans ces véhicules-là. Et la prochaine fois, tâchez de ne pas prendre un véhicule en surcharge. Oui, chef. Merci, chef. Unité, patron, unité, à la vie, là. J'aurais dû arrêter tous ceux qui étaient sur le toit. Mais ça ne fait rien. Pour aujourd'hui, je leur pardonne. C'est un barrage que nous avons devant nous. Il n'y a pas de doute, nous sommes signalés. Faisons demi-tour pour nous cacher dans la brousse. Si tu changes de direction, je te brûle la cervelle. Fais comme si de rien n'était. Tu vois bien que... Tais-toi, fais ce que je te dis. Oh oh. Monsieur, bonjour. C'est un malade que nous conduisons à l'hôpital. Vous voyez bien qu'il est mourant. Vous n'avez pas vu une voiture Mercedes noire sur la route? Non. Nous venons juste du village qui est derrière le tournant. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Oui, malheureusement. Qu'est-ce que c'est? Un hold-up à Kossou. Et aujourd'hui en plus, juste la veille de mon départ en permission. Tout tombe à l'eau maintenant. Je devais assister au mariage de mon neveu. Je suis témoin même. À présent, tout est foutu. À moins qu'on les prenne aujourd'hui même, ces malfaiteurs. Ça alors, tu dois surmettre des blancs. Il n'y a que pour faire des choses pareilles. Non, malheureusement. Cette fois-ci, ce sont des noirs. Ils ont dû agir sur les conseils d'un blanc. Possible? Je dirais plutôt certainement. Au fait, à combien s'élève la somme volée? Oh, des milliards sûrement. Faites voir quand même vos pièces. Non! Continuez votre chemin. Merci, chef. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Écoute-moi bien, mon fils. Nous ne sommes pas en police de la route. Nous n'avons donc pas de temps à perdre. Nous sommes en barrage fixe pour un véhicule fixe qui a une Mercedes noire. Mais, chef, on nous a bien dit de... Mais enfin, qui commande ici? Toi ou moi? Bon. Allez, disposez.
Arrête-toi, Danigo. Il nous faut maintenant ranimer qu'on attend. Heureusement que le gros imbécile était là. Sinon, on ne coupait pas. Le petit, il allait nous avoir. Ces jeunes gens d'aujourd'hui, tous les mêmes, en train de fourrer leur sale nez partout, dans toutes les affaires, même celles qui ne les regardent pas. C'est difficile pour lui que son chef soit un ignare. T'as raison, mais occupons-nous de l'autre. Hein? Alors, qu'on attend. Mais où sommes-nous? Que s'est-il passé? Et les gendarmes? Tais-toi, nous te dirons tout plus tard. Oui, toi, non, pas le temps de moisir ici. Oui, monsieur le préfet. Le procureur est déjà saisi. Je pourrais l'informer de votre désir de vous rendre également sur les lieux. Nous pourrions donc partir tous les trois ensemble. Bien, monsieur le préfet. Mes respects, monsieur le préfet. Et à tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas vu une voiture Mercedes noire sur la route? Non, chef. Bon, partez. Sous cette tente, une aire de secours. Là, la radio et son opérateur. Ici, les vivres. Là, les munitions. C'est depuis que l'alerte est donnée que vous avez réalisé tout cela? Oui, monsieur le préfet. C'est très bien. Mes félicitations, mon colonel. Voyez-vous, monsieur le procureur. Ça fait plaisir de voir que sur le plan du maintien de l'ordre, mon département est très bien équipé. Et surtout très bien entraîné. Nous sommes donc à l'abri de toute surprise désagréable. En effet, monsieur le préfet. Merci. Ça va, oui? Oui, mon colonel. Ça va très bien et le moral est bon. Très bien. Continuez. Fouillez tous les véhicules sans exception. On ne sait jamais. Les bandits ont pu troquer les leurs contre un autre. Bien, mon colonel. Sur le toit. Mon apprenti sur le toit. Je vous assure, chef. Je ne savais pas qu'il était dessus. Vous racontez là des histoires. Je vous assure, au nom de Dieu, j'ignorais sa présence sur le toit. Pourquoi avez-vous pris la fuite? Pardon, chef. J'avais peur. Pourquoi avez-vous peur? Vous attendez que nous sommes des majeurs d'hommes pour que vous nous fiez de la sorte? Non, chef. Alors? Pardon, chef. Ayez pitié. Non. Pas de pardon.
pas de pitié. Vous reconnaissez que vous avez pris la fuite devant nous sans obtempérer à notre signal. Hein? Répondez. Oui, chef, je reconnais. Il y a donc délit de fuite, refus d'obtempérer, deux infractions en un seul acte. Ça va vous coûter cher. Chef, je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas payé. Bon, nous allons vous appliquer les bonnes vieilles méthodes que nos anciens maîtres, les colons, nous ont enseignées. Elles sont plus efficaces et plus rapides que tous les textes de loi. Mais chef, vous allez le frapper vraiment. Regarde mon frère, mon petit. Porte-chef. Tu vois comment corrige les voyous de ton espèce. Si tu recommences demain, je doublerai alors la ration. Tu vois ça? Il n'y a rien de tel. Je te fais profiter là de l'expérience d'un ancien. Si tu es intelligent, profite-en avant qu'il ne soit trop tard. Merde alors! Le salaud n'avait pas suffisamment de sang dans sa guimbarde. Les gars, il ne nous reste plus qu'à l'abandonner sur place et prendre une autre. D'ailleurs, nous ne pouvons pas atteindre une ville. Il nous faut entrer en brousse chercher asile. Le temps nécessaire pour qu'on nous oublie. Ensuite, quand tout se sera tassé, nous pourrons reprendre notre vie. Éloignons-nous afin que les gens ne fassent pas de rapprochement entre nous et cette voiture. Ah, 1000 kilos. Nous amener jusqu'au prochain carrefour. D'accord, patron, montez. Apprenti, patron, manivelle. Camarade, il y a trop de gendarmes sur la route. Ah non, oui, je sais ce que c'est. Je viens de Kossou. Il y a eu là-bas un hold-up. Des garçons armés se sont introduits dans le magasin où était déposé l'argent de la paix du mois. On t'a battu le gardien. Ils ont apporté la chose. Je ne dis pas, on m'a dit. J'étais là. C'est moi-même qui les ai vus et qui ai sonné l'alerte. Pourquoi vous n'êtes pas resté pour l'enquête? Les gendarmes voudront que vous prenez certainement. C'est que j'ai reçu un télégramme annonçant la maladie de mon fils. Je suis obligé de voyager. Mais j'ai laissé mon adresse et à tout moment, les enquêteurs peuvent me coucher. Il y a des plaines sur cette terre. Eh oui. Monter sur une bicyclette et porter en même temps un fagot de bambou, c'est quelque chose. Il pourrait faire un bon numéro dans un site. Que vont-ils faire avec ces bambous? Ce pourrait faire la charpente de leur maison. Eh bien. Ils sont fous ces gens-là. Bonjour, monsieur. Comment, madame? Vous avez un enfant dans le ventre, peut-être même deux.
vous avez un autre sur le dos. Et en plus, vous portez un gros fardeau sur la tête. C'est inadmissible. Vous inquiétez votre santé. Le texte des lois n'y a pas prévu cette infraction. Je la simule à un véhicule en surcharge. Mais vous, je ne vous ai encore rien dit. Vous avez intérêt à vous taire. Car votre cas est plus grave. Vous avez commis deux infractions à la fois. Complicité de surcharge et non-assistance à personne en danger. Vous conviendrez avec moi que dans cet état de surcharge, votre femme est en danger et vous ne la secourez pas. Mais cher, que dois-je faire? Prends la femme qu'elle porte sur le dos, paradis. Ah bon, d'accord, chef. Il n'y a pas pensé. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup, chef. Merci. Voilà. Heureusement que nous sommes là pour éduquer ces hommes. C'est par ici, mon lieutenant. Bien, monsieur le directeur. Docteur, vous venez, s'il vous plaît. Monsieur le directeur, nous avons fini les constatations. Vous pouvez remettre le corps aux parents. Il nous reste maintenant à attendre les témoins. Puis-je le faire à votre bureau? Maintenant que nous sommes éloignés de la grande route, il nous faut entrer en brousse à la recherche d'un gîte. Aller demander refuge dans un village, ce serait beaucoup risqué, car avec les gendarmes, on ne sait jamais. Une langue trop bien pendue et la mèche est vendue, et nous nous retrouverons au frais dans une de leurs cellules. Mieux vaut dormir ici à la belle étoile. Avec notre transistor, nous pourrons suivre notre propre poursuite et verrons demain ce que nous devrons faire. Rester dans la brousse, en nous y enfonçant peut-être plus, ou rejoindre une ville et nous mêler aux autres citoyens, n'est-ce pas? Bon, allons-y. Je crois que c'est bon ici. Ce petit bois est idéal pour le camouflage. Il ne nous reste plus qu'à couper des branchages, à les installer à même le sol, à recouvrir également le butin et à nous étendre pour dormir un peu. Comment ça? On ne mange pas aujourd'hui alors? Eh bien moi j'ai faim, hein? Ah oui, pour une fois, il a raison, hein? Moi j'ai le sommet dans les talons. Moi aussi, hein? Bon, le village n'est pas loin. Konaka et moi restons ici. Vous deux, tenez de l'argent et allez acheter de quoi manger. Et à boire aussi, car je suis totalement déshydraté. Faites attention dans le village. Pas de maladresse ni trop de bavardage. Surtout toi, Patogo. Tu peux compter sur moi.
en cas d'imprévu, prenez une direction opposée à la nôtre. Arrangez-vous pour ne pas vous laisser avoir. D'accord. Oh, c'est compris. Bonne chance et à tout à l'heure. Bon, maintenant, on va planquer le butin. Mais, madame, les prix dans votre boutique ne sont pas affichés. Combien coûte le savon et la poudre de toilette? Dites-nous la vérité. En cas de doute, nous interrogeons les villageois. Ça fait 100 francs. Ça fait 200 francs. Et le litre de verre? Ah, 150. Ce n'est pas possible. Il y a une hausse illicite de prix chez vous. Ça ne peut pas rester impuni. Votre patente. Pardon, chef. Je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Je vous demande votre patente et non pas autre chose dont je n'ai que faire. Je suis marié, moi. La patente, j'ai dit. Ce que vous faites là est non seulement un attentat à la pudeur, mais une tentative de corruption à un agent de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions. Devant le tribunal, ça peut vous chercher loin, ça. La patente, j'ai dit. Je n'en ai pas, chef. Ça, c'est grave. Très grave même. Et je vais devoir dresser procès verbal. Pardon, chef. Pas de pardon. Nom et prénom. Quoi? Avez-vous une carte d'identité? Oui. Donnez-la moi, s'il vous plaît. La voici. Merci. Ah ah. Abafa Ko, né le 7 janvier 1947 à Lagos. Très bien, très bien. Séjour au village de Santiko, nous MDL chef Zakpa Dibi, assisté du gendarme Sekou Kamara et revêtu de notre uniforme, conformément aux ordres de nos chefs, avons contrôlé la boutique de Madame Abafa Ko. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mon mari. C'est la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est le régime des biens communs entre époux. Je ne suis pas ivoirienne. Je suis nigériane. Ça ne fait rien. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes ivoirienne. Nous ne tirons pas, s'il vous plaît. Et je continue. Pardon, chef. Je vais diminuer. Vous désirez quelque chose, mademoiselle? Oui, du savon pour laver mon linge. Ah, c'est bien ça. Madame, vendez-vous du savon à notre présence. Combien vous en voulez? Un seul suffirait. Le savon coûte maintenant 75 francs au lieu de 100 francs. Ah ben, c'est épatant, ça. Dans ce cas-là, je vais en prendre plusieurs. Disons une dizaine. Ça fait 750. Laissez, mademoiselle. Je vais payer pour vous. Oh, merci, monsieur. C'est gentil à vous. Il n'y a pas de quoi, mademoiselle. Et où habitez-vous? On peut connaître chez vous? Oh, bien sûr. Mais je vous préviens, mon père est très méchant. Il est jaloux. On dirait pas un père. Mm-hmm. Vous savez ce qu'il a fait pour éloigner de moi tous les jeunes gens? Non, dites-le nous. Il a fait mettre devant la porte une grosse pancarte. Attention, chien méchant au pluriel. Alors qu'il n'y a même pas un seul chien dans la maison. Non. C'est pas croyable. Ça alors. Mais les jeunes gens ne sont pas fous. N'entendant jamais de chien aboyer, ils venaient quand même. Un jour, mon père s'est fâché. Il est devenu furieux. Il a menacé tout le monde. Il les a chassés de chez lui. Et il a même promis de les abattre dans la prochaine visite. Puis ensuite, il a remplacé la pancarte. Attention, chien méchant. Par attention, fusil chargé. Oh, c'est marrant, ça. Et depuis, plus personne ne vient à la maison. Tout le monde sait qu'il a effectivement un fusil et en plus, il est capable de tirer. Pas quand même si les gendarmes. Oh non, je ne le pense pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça va barder. Prends la caisse, on l'accompagne.
que se passe-t-il, mon adjudant? Il y a eu un vol à Kourouxou commis par quatre gangsters à bord d'une Mercedes noire. Log! Les salauds! C'est ce que nous avons dépanné sur la route. Si nous l'avions su, nous aurions fait le plus beau coup de filet de notre carrière. Ça alors? Vous avez donc le numéro du véhicule? Non, mon adjudant. Je ne l'ai malheureusement pas relevé puisque je ne savais pas. Voici, c'est le numéro L1929CI1. Très bien, mon petit. Donne-le-moi. Et vous, que désirez-vous? Je suis le vague-maître de Kossou. Je viens vous prévenir justement de ce vol et de la mort de notre gardien Bakary. Mais alors, il fallait nous prévenir sur la route. Si, chef, mais je n'ai pas pu. Comment ça? Je ne comprends pas. Vous avez donc quitté la route, sinon vous devrez rattraper. Nous nous sommes permis de changer d'itinéraire pour faire un peu de salubrité publique, mon adjudant. Quoi? Vous n'avez donc pas rencontré le lieutenant sur la route? Enfin, nous verrons ça après. Entrez dans la brigade. Viens, mon adjudant. Bon, votre attaqué, il est encore tout chaud. Où l'avez-vous acheté? Oh, dans le village, chez une femme, alors que l'attaqué était encore sur le feu. Une femme? Quelle a été sa réaction à votre approche? Rien. Elle nous a servi, elle nous a demandé d'où nous venions. Nous lui avons dit que notre voiture était en panne et que nous avons envoyé quelqu'un chercher la pièce cassée. Bon, ça va. Mangeons alors. Autant pour moi. Nous allons établir un tour de garde. 2 heures chacun, comme dans l'armée. L'ordre sera le suivant. Patogo, Danigo, Konankan et moi. Maintenant à table. Vous savez tous ce qui s'est passé à Kossou. Il nous faut, coûte que coûte, retrouver ces malfaiteurs. Il y va de l'honneur et de la bonne renommée de notre gendarmerie qui, comme vous le savez, est reconnue comme le corps d'élite par excellence. Vous vous arrêterez dans tous les villages. Vous poserez la question aux villageois de savoir s'ils n'ont pas vu un véhicule noir caché quelque part. Voyez aussi. Sous tous les barrages sont bien mis et le travail est correctement fait. Avez-vous des questions à poser? Non, mon adjudant. Tiens-le! Montez en route! Malheureusement. Dis donc, t'as pas de cigarette à me passer? J'ai oublié les miennes dans ma précipitation. Si, prends ce paquet et j'en achèterai plus loin. Merci. Ok. Au revoir. Thank you.
que si on allumait du feu, on aurait moins froid. Pas question. Tu vas nous faire repérer. Il est presque l'heure des informations. Donne-moi le transistor. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Voici nos informations que nous commencerons par un audacieux hold-up à Kossou, n'est-ce pas, Bensmore? Oui, en effet, c'est à l'âge du président directeur général du Fonds africain de développement. Des gangsters se sont introduits dans le bureau du directeur des chantiers de Kossou, ont abattu le gardien à bout portant et se sont emparés de 100 millions de francs CFA destinés à la paye du personnel. Nous avons actuellement très peu d'éléments et nous vous tiendrons heure par heure au courant du déroulement de l'enquête. Mais ce que nous pouvons dire d'ores et déjà, c'est que dans notre pays, ce pays de la fraternité, de l'entente et de la concorde, il est inadmissible que des citoyens utilisent les méthodes des pays occidentaux et nous faisons confiance à notre gendarmerie nationale pour que les criminels soient appréhendés et châtiés suivant les textes en vigueur dans les meilleurs délais. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire du hold-up à Kossou. Merci, Bensmoro. Et maintenant, quelques informations internationales tout en restant dans le domaine du hold-up. En effet, cet après-midi encore à Chicago, un autre hold-up a été fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Allô? Me restez, monsieur le ministre. Non, monsieur le ministre. Nous n'avons pas encore eu de nouvelles d'eux. Bien, monsieur le ministre. Bonne nuit, monsieur le ministre. Allô? Le colonel s'est tapé. Le commandant de légion? Alors, vous n'avez pas encore eu de nouvelles de vos gaillards? Non, mon colonel. Nous attendons toujours. Je vais appeler la compagnie. Mon capitaine, pour le colonel. Le bon compagnie vous parlez. Merci, mon collègue. Non, collègue, je pense qu'il nous faudrait du rapport pour organiser des battues sur toutes les routes. Il y a quelqu'un là. Mon adjudant. Oui. Il y a quelqu'un de ligoté ici. Tiens. Prenez-le. D'accord. Prenez-le.
vous est-il arrivé? Allez voir à partir du matin. Un reporter à l'endroit de Kossou a eu, paraît-il, dans son objectif, la Mercedes en photographiant des personnalités. Si c'est vrai, ça peut être intéressant. Quelle direction ont-ils prise et quelle était votre voiture? Une K104 bleue, numéro H8877CI1. Mais c'est celle que nous avons vue non loin de Tébissou? En effet. André Zabou, condamné le 11 décembre 1961 à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal de première instance de Boaké au vol à l'étalage. Condamné le 27 octobre 1962 à 18 mois de prison pour vol avec effraction en compagnie de Fadogo Konaté, Tempaoré Danigo, Mathurin Konakan. Très intéressant. Prenez les filles de Selaskar et faites la matière pour envoyer au Kigali. Prenez ces enveloppes et portez-les à l'aviation. Un hélicoptère vous attend pour les transporter à Toumodi, Yam Soko, Tiedissou et Boaké. Ok. Viens, mon capitaine. Oui, chef. Hier soir, revenu d'Abidjan, j'ai transporté 4 hommes portant une caisse. Je les ai descendus sur la route à un carrefour. Reconnaîtriez-vous l'un d'entre eux sur cette photo? Non, chef. Je ne reconnais personne sur cette photo. Et sur celle-ci? Ah oui, voici l'un d'eux. Et voilà un autre. Celui-ci, il n'y a pas à se tromper. C'est lui qui portait la caisse. Je les ai bien observés parce qu'ils étaient un peu bizarres. Dans ces cas, vous allez nous conduire sur les lieux où vous les avez descendus. Nous vous suivons. Bonjour, monsieur. Bonjour, chef. Comment ça va? Oh, ça va. Dites-moi, vous n'avez pas reçu d'étrangers hier dans votre village? Étrangers? À ma connaissance, non. En fait, il faut voir le chef de village ou le secrétaire du parti et seul peut vous renseigner. Conduisez-nous d'abord chez le chef. Que me vaut l'honneur de votre visite et en si grand nombre? Visite de secteur. Mais nous voudrions savoir si hier soir vous n'avez pas eu d'étrangers dans votre village. Personnellement, non. Mais recherchez-vous quelqu'un? Oui. Des bandits qui ont tué quelqu'un avant de voler des millions. Dans ces conditions, je vais appeler tous mes administrés afin de savoir si aucun d'eux n'a hébergé des étrangers ou tout au moins n'en a vu passer. Réunis ce matin pour vous annoncer que des bandits ayant tué un homme et volé des millions de francs se seraient dirigés vers notre village. Je vous demande donc si l'un de vous les a hébergés ou simplement les a vus passer, qu'ils se fassent connaître. Ils ne risquent rien et c'est un devoir national que d'aider
la gendarmerie a recherché et a arrêté un malfaiteur. Vous avez la parole. Hier soir, à la tombée de la nuit, deux hommes ont inconnu de moi sont venus m'acheter de la tiki et ont repris la même route qu'ils ont empruntée en venant, c'est-à-dire celle qui conduit à la grande route. Pendant que je les servais, je leur ai demandé d'où ils venaient. Ils m'ont répondu que leur véhicule était en panne et qu'ils attendaient des pièces pour les réparer. Ayant eu faim, ils sont venus dans les villages pour chercher de quoi manger. Est-ce que vous les reconnaîtriez si vous les voyez? C'était la nuit. Je ne les ai pas bien observés, mais je pense que je les reconnaîtrai. Est-ce qu'ils sont sous ce poteau? Non, je ne crois pas. Et sous celle-ci? Celui-là, je le reconnais. C'est lui qui m'a payé. Le deuxième était plutôt dans la pénombre. Merci, mademoiselle. Personne d'autre ne les a vus? Hier soir, un peu avant la nuit, je me suis rendue dans la brousse pour chercher des feuilles et des racines afin de soigner ma fille malade. Juste quand j'ai fini d'attacher mes médicaments, j'ai entendu des voix d'hommes parlant en français. Je me suis cachée et ai vu quatre hommes armés portant une caisse. Cela m'a paru bizarre, mais j'ai pensé qu'ils s'en allaient faire un sacrifice ou adorer un fétiche de la brousse. Alors, après leur passage, j'ai repris le chemin du village. Si ce sont des voleurs, ils doivent être sûrement cachés dans la région. Y a-t-il des villages de ce côté? Oui, mais le plus proche est à 11 km. On ne peut atteindre que par une piste non carrossable. À l'aide de bicyclettes peut-être. Merci, chef. Bordez le bosquet par l'est. Vous, encerclez par l'ouest. Rendez-moi compte au point de jonction. Disposez. Ne nous affolons pas. Il se peut que des militaires soient simplement en manœuvre dans les parages. Attendons calmement pour voir.
attendu. Il nous a fait ici. Il se dirige sur vous. Tais-toi. Vous n'avez pas entendu? On dirait que quelqu'un a crié dans cette direction. Moi, j'ai entendu mon capitaine. Moi aussi, mon capitaine. Golfe Sierra de Golfe Romeo. Survolez encore le troisième bosquet à partir de l'est. Et très bas. Oh, ma mère, ma pauvre mère, tu ne révèles plus ton fils chéri. Oh, quel truillard, une vraie lavette. Oh, merde, pas de doute. Il doit être là, on a encore crié il y a un instant. Donnez-moi mon porte-voix. Merci. Ça marche, oui, ce truc-là? Oui, mon capitaine. Bon, très bien. André Zagou, Temporé Danigo, Mathurin Konaka et Fatogo Konaté, au nom du peuple ivoirien, nous vous ordonnons de vous rendre. Sinon, nous allons faire usage des armes. Les salauds, ils nous ont identifiés. Donne-moi le flingue. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est bien nous qui les recherchaient. Ils nous ont repérés. Nous sommes donc foutus. Non. Nous allons pouvoir nous en sortir. Comment ça? En quoi faisant? Allô, allô. Deuxième formation. André Zagou, Temporé Danigo, Mathurin Konaka et Fatogo Konaté, au nom du peuple ivoirien, nous vous ordonnons de vous rendre. Sinon, nous allons faire usage des armes. Mon Dieu, on dirait que la voix se rapproche. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Vos mains nous rendent? Pas question. Tu comprends? Pas question. Allô, allô. Nous vous apprenons que vous êtes encerclés. Vous n'avez plus de chance de vous en sortir. Résister serait une bêtise. Alors, pour la troisième et dernière fois, au nom du peuple ivoirien, nous vous ordonnons de vous rendre. Sinon, nous allons faire usage des armes. Espèce de salaud! Tirez si vous voulez, mais nous ne nous rendrons pas! Salaud toi-même! Il ne fallait pas répondre! C'est trop tard! Tirez tout! Lance-grenade, si vous êtes prêts, feu! Maman, je suis mort. Oh, ma mère. C'est toi donc qu'il faut nous localiser avec précision. Ça vaudrait mieux, oui. Vous souvenez de la masse. Vous allez la bouquer, tu les deux, oui. Là, il est la masse. Là, il est au putain de la cité. Et la notre père qui est au sud. Dis donc, Zagou, ça devient sérieux. Il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester inactifs comme ça. Ou on se rend, ou on se défend. Pour ma part, vaut mieux qu'on se rende. C'est notre seul salut, rien d'autre. Arrêtez, bêtise de descendre. Arrête, je t'ai dit. Tu vas lui perdre tous. Arrête ou je vais te buter sans hésitation. Voilà comment finissent les lâches. Et ton ciboulot, ça va, non? J'espère que toi, au moins, tu ne te rendras pas. Non, je me battrai jusqu'au bout. Dans ce cas, cherchons refuge ailleurs.
venez, prenez-moi. Ne me tuez pas. Laissez que mon badan. Il s'est mouru. Restez ici, vous serez en sécurité. Notez-le. Tiens, cachons-nous dans cette termitière évasée et attendons ce salaud de pied ferme. Ils verront de quel bois nous nous chauffons. Allô, allô, André Zagou, temporé d'Anigo. Votre camarade Fatogo Konaté, plus réfléchi, s'est rendu et est maintenant en sécurité. Suivez son exemple. Inutile de vous entêter. Le bon sens vous commande de vous rendre. Sinon, nous allons devoir reprendre le tir et d'une autre manière. Si vous êtes prêts, fait. Nous n'en sommes pas vivants. Ce n'est pas tout, monsieur. Où est l'argent? Vous répondez oui? Fumier! Il va répondre, mon capitaine. Et les autres parleront bien. Pardon, chef, pardon, chef. Pardon, chef, pardon, chef. Putain, là-bas, 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 chef. Là-bas, chef. Bravo, appel Alpha. Alpha, écoute, parlez. Ici Bravo. Nous avons pu arrêter 3 gangsters et récupérer l'argent. Le 4e a été tué par le chef du gang. Nous avons eu un blessé léger chez nous. Je le fais évacuer par hélico sur l'hôpital de Boaké. J'en ai terminé, mon colonel. C'est très bien. Et félicitations.
Vous avez fait du bon travail. Vous pouvez rentrer.